professeurs, c'est la voix des sans voix. Nous sommes aujourd'hui 1er avril, nous sommes aujourd'hui à Valence. Nous sommes venus visiter notre frère et notre sœur Abby et Pauline. Bonjour, ça va? Ça va, avec notre frère Lance. Lance, comment ça va? Oui, ça va bien. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui, donc voilà, on est heureux de voir que vous êtes installés. Donc vous avez eu quand même une dure aventure, vous êtes d'assez loin, un témoignage fort. Vraiment, le Seigneur vous a vraiment sorti d'une dure galère. Et vraiment que ce nom soit béni. Et, donc on va pouvoir t'écouter, hein. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu comment ça a commencé, comment tu es arrivé ici et quelles ont été les épreuves que tu as dû affronter avec les enfants. Hein. Vous avez 4 enfants. Et donc on va un peu te laisser nous expliquer un peu. Donc qu'est-ce que le Seigneur a fait vraiment dans votre vie là pour qu'aujourd'hui vous soyez là en bénir le Seigneur. Donc mon frère Abby. Ok, merci vraiment pour la parole. Nous avons Lingala. Oui, comme ça. Ok. Donc tu vas parler à Lingala et puis notre frère va apporter des ordres dans la traduction. Pour moi, merci pour la visite, pour la journal et nous pour Nana. Et remercie par rapport à la visite d'aujourd'hui. Pour moi, ça a plaisir. Merci, Seigneur, c'est moi. Ça a vraiment touché. Bon, pour un témoignage de Bélé, bon, son honneur, bon, on peut y aller, c'était absolument mieux, mais on le barra. Pour lui, il a beaucoup de choses à dire, mais il va être bref. Ok. Ok, donc, vraiment, premièrement, on le barra. Ndenge na debi, ndenge tante du divine, kwa kibiso na place au tozalaki. Premièrement, il va dire par rapport à la sœur Lidivine. D'accord. Voilà, le jour que les avait accueillis. D'accord, ok. Oui, oui. Bon, pour Nanga, elle est là qui vraiment s'est prise parce que Nasila qui m'a aidé le jour là. Pour lui, vraiment, c'était une surprise parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment perdu. Donc, nous avons passé à la grâce dans le divin, à Zubiso, à récupérer Biso pendant un mot, dès que la Biso tient dans l'association. Et que le Seigneur a permis que les divines puissent les récupérer depuis un mot jusqu'à Évry. À Évry. Donc, en fait, vous êtes venu du Congo. Oui, oui, donc oui. Vous avez fui le Congo parce qu'à cause de tous les problèmes que vous avez pu rencontrer. Vous êtes arrivé en France. Arrivé en France, il me semble que d'abord vous avez été hébergé par une personne. Vous avez trouvé une personne donc c'est Serre. Serre a été la première fois, premier jour. Vous avez parlé pendant une semaine. Voilà, comme la première fois il y avait une sœur qui les avait accueillis, hébergés, au moins pendant une semaine. Par après, si vous avez dit que, en tout cas, monsieur Koki, vous avez la possibilité de vous faire un peu de pour que les places tellement à 115, c'est comme ça, français et arabes. Et la personne, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, donc elle ne pouvait plus les héberger, qu'il devait le contacter le 115. Et voilà. Et donc, d'accord. Quelque part, c'est comme si les amis dehors. D'accord. Donc, tu es arrivé en France, vous étiez dans la rue. Oui, oui, oui. Tu t'es dit, je vais essayer de trouver peut-être une solution. Oui, oui, oui. Donc, tu es parti dans un quartier un peu populaire. Tu t'es dit que tu pourrais trouver peut-être de l'aide parmi la communauté congolaise. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, arrivé là-bas, dans ce quartier donc à Paris, une dame que tu rencontres accepte de vous héberger. Oui, oui, donc, vous deux et les 4 enfants. Oui, oui, oui. Voilà. Vous restez là-bas une semaine, c'est ça? Une semaine. Et une semaine, après Ibsi Bissot, qui est. Bokende kuna bosenga demande d'asile na ofi ezana mele dimta l'accès biso après les tosing demande d'asile abi a ngana bino tosi si li bosenga bobenga 115 wana vraiment pour na ngana bino c'est terminé. Donc la personne qu'ils ont rencontré à Mela, c'est ça? À Mela, donc là les a hébergés pendant une semaine avec les enfants, après les a montré là où ils devaient faire la demande d'asile, après à partir de là elle a dit c'est bon, donc elle ne peut plus les héberger, donc il devait aller contacter le 115. D'accord, donc vous rencontrez une personne sur Paris qui habite à Melun,
elle vous héberge à Melun pendant une semaine, oui. Puis au bout d'une semaine, elle vous dit elle ne peut plus vous héberger. Oui, oui, donc, elle vous montre le 115. Donc, le 115 non, pour les personnes qui sont sans domicile. Hein. Voilà. Et elle vous dit allez faire les démarches et en gros, bon, bah, elle vous laisse dehors. D'accord. Donc là, vous êtes à ce moment-là, vous êtes dehors avec quatre enfants, mais pas de toi. Ok. Après, Bengisa 15 à répondre à répondre à Solonae, à moi, si je suis 4 mes places à voler les athées, donc moi les athées, ça qu'elles avaient dit que non, on a pris dans la moitié, il y a eu un de prière. Et donc effectivement, elle a contacté les 115, elle les a eu en ligne, il les a raconté l'histoire, qu'il était avec sa femme et les enfants, donc il cherchait un endroit pour dormir, mais les 115 les a répondu comme quoi qu'il n'avait pas de place pour les accueillir. D'accord, donc il n'y avait pas de place. Pas de place. Donc là, vous vous retrouvez dehors avec les quatre enfants. Mmh. C'était quel mois ça? C'était le mois de janvier, c'est ça? Non, le mois de février. Mois de février. Donc avec des froids, avec des températures très basses. Oui, oui, oui. Voilà. Donc vous êtes dehors, dans le froid avec quatre enfants. Mmh. Et comment vous venez? Oui, cinq. Ah oui, et en plus, toi tu étais enceinte. Oui. D'accord? Oui. Tu étais enceinte. Mmh. Donc dehors, quatre enfants et tu étais enceinte. Et, et comment vous faisiez pour vous nourrir? Vous avez des. Les gens vous aidaient ou vous étiez vraiment. Bon, premier jour, tout là qui est en gare, il y a Melun. Le premier jour, ils ont dormi à la gare de Melun. D'accord. Ouais. Deuxième jour, place IPS, elle a quitté tout bien sous sa 15, non, il n'y a pas de place. Le deuxième jour, ils ont téléphoné encore les 115, il n'y a pas eu de place disponible. D'accord. Après, vers 22h, Croix-Rouge, il y a mon Croix-Rouge à Yé. À 22h, il y a eu le Croix-Rouge qui est arrivé. Il a expliqué que nous avons eu la place à la tête, nous avons eu le côté. Le Croix-Rouge a eu un café, un café, un chocolat. Après, nous avons eu un hôpital à l'hôpital de Melun, une urgence. Après, quand le Croix-Rouge, ils ont raconté le Croix-Rouge, et le Croix-Rouge, ils ont raconté l'histoire. Toute leur histoire, d'où ils venaient. Leur histoire, voilà. D'accord. Et maintenant, le Croix-Rouge les a pris, il les a ramenés à l'hôpital de Melun, d'accord. Aux urgences. D'accord. Entre-temps, il a donné de chocolat chaud aux d'accord. enfants. Donc, du coup, c'était pour pouvoir dormir aux urgences. C'était pour dormir à l'hôpital, dans les urgences. Après, il y a ton mot. Donc maintenant madame, sa femme, à force de marcher, comme ils n'avaient pas là où aller, à force de marcher, vu qu'elle est enceinte, elle commence à avoir de perte de sang. D'accord. Voilà. Oui, l'aide comme une urgence. Il y a madame a besoin de maquiller du mingaming. Voilà, quand ils sont arrivés aux urgences, elle a dit à son mari que elle perdait beaucoup de sang. Bon, tellement la monnaie qu'elle est dans l'hôpital, on avait bon, ça fait occasion, on est toujours dans l'hôpital, on a expliqué bah assistant au bas dans l'hôpital, on a assisté, bah on a expliqué bon bah besoin de la vie, non arrêté, qu'elle était dans maternité, exacti kuna. On a toujours dit bah elle, on a toujours dit bah 23h. Maintenant, là où ils étaient aux urgences, normalement c'était pour aller dormir, que c'est que le Croix-Rouge les a ramenés. En même temps, vu que sa femme a perdu le sang, ils ont dit comme ils sont à l'hôpital, ils vont en profiter pour parler de ce cas. On les a répondu comme quoi que c'était pas là, il fallait qu'ils aillent là où il y a la maternité. D'accord. Donc il était déjà 23h. Et donc là, vous marchez avec les enfants, oui. Et donc dans Melun, comme ça, vous devez marcher donc des longues distances comme ça. Non, tout ce qui est en urgence, mais ce que tout qui est dans la maternité. Après là, vu la situation, ils ont laissé les enfants aux urgences là-bas à l'hôpital de Melun et ils sont partis vers la maternité. D'accord. Tout ce qui est en madame a zéni. Par après, tout le monde a été dans le moment où on a consulté madame à Monique qui a déjà moi. Après donc, son mari l'a cru que sa femme elle était toujours enceinte. Mais entre temps, quand ils sont arrivés, le résultat, on a dit comme quoi qu'elle avait perdu l'enfant. Voilà, elle a perdu l'enfant.
Après, madame Zalaki touché. Zalaki touché, bon, on a dit c'est notre bon avis, on a même ta permettre, il a dit pourquoi il s'en est bon. Donc, elle essaie de consoler sa femme, parce que sa femme est abattue, vu par rapport à la situation. Donc, elle essaie de consoler que c'est Dieu qui pourra, c'est lui qui prend et il redonne. Donc, lui, il sait pourquoi. Ça arrive. D'accord. Après tout zongi, après c'est une ordonnance, après c'est une ordonnance, na tout ce moment ici, na papier mon côté mais mon hôpital mon bah aider na pharmacie bah aider puis ce pour na bah ici parce que tu es dans bon côté. Tout ce qui est sur une urgence pour tout là, tout en a bas ensemble. Tu vois une urgence, on a dit tout comme bah 6h du matin, une urgence. Donc du coup, quand ils étaient partis en maternité, on les a donné l'ordonnance qu'ils aillent à la pharmacie. Entre-temps, comme ils ont pas d'argent, donc c'était pour l'ordonnance pour vous aider à prendre gratuitement le médicament. Voilà, c'était pour avoir du médicament gratuitement. Et en même temps, ils sont retournés à l'hôpital de Mena, aux urgences, pour là où il y a les enfants, et là où ils avaient laissé les enfants. D'accord. À 6h du matin, tu as looké assistance sociale et hôpital pour t'expliquer cannabis, peut-être à quoi qu'on a moins un peu de solution. Pourquoi il y a un journal, il y a un journal pour cannabis, pour ce qui est dans la place de tu as looké assistance sociale et au Mena. À Babina et début, on a bien à 115, on a expliqué peut-être avoir vous moins solution. À Beni 115, les 115 à Bibi, que non, à Zakara, on a placé à vous coacher à Bisson. Donc, du coup, ils étaient partis voir l'assistance sociale de l'hôpital. Donc, ils ont parlé encore de leur cas parce qu'ils ne savent pas, en sortant là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. C'était quoi la solution? L'assistance sociale a téléphoné encore le 115. Pour essayer de trouver une place pour, trouver une place pour eux, donc du coup, il n'y a pas toujours de place. Alors, l'assistance sociale a une adresse et il y a une ordonnance pour tout ça qui s'est expliqué. Il y a un peu de temps, il y a une pharmacie, il y a un peu de temps. Pour l'aide au bimi, tout le capé, hôpital, pharmacie en haut, à l'adresse en haut, pour qu'il y ait besoin de boire, à l'attamol, à l'embi, à l'occasion de sauter tout le monde, qu'il soit place en montée. Donc, c'est ça. Vu par rapport à l'adresse qu'on les avait donnée pour aller chercher les médicaments gratuits, la façon qu'on les a indiqués, donc, ils ont dû marcher avec les enfants. Ils n'ont pas pu trouver l'endroit et les enfants n'en pouvaient plus, ils étaient fatigués. Donc, ils n'ont pas pu récupérer les médicaments. Après, dans le binôme, non, tout qui non amont, parce que ma moto est ma qui bison. Ouais, ma bison on a la première tout. Donc en amont, dans l'adresse naie, pour y aller en amont. Mais à mes ma bison à Melin, na prophétie et na demande d'asile na. Parce que il y a salapi makamunaiwa place ouana alors même il y a place ouana il y a place bon bino bo tika nous ah on a joué après na yo loba keno bon comme il y a un thème il y a place ouana nous devons expliquer que place kaka isate sur quelque coup de sous moyen asani ni a aidé biso ni tout le monde a mêlé tous ont manon amont. Donc du coup ils ont dû retourner à Mont chez la personne où ils avaient hébergé pendant une semaine. Parce que cette personne-là aussi, ils avaient montré comment aller faire la demande, les démarches, les demandes d'asile dans la préfecture. Donc. Et tout comme il y a une gare à Mélé, bon, il faut toujours transporter. Est-ce que pendant un moment, il faut transporter un bus dans le Simakuna, un bus numéro. Il faut le numéro commun, un bus du soir, de Tokekuna. Na moni chauffeur, na expliqué chauffeur en tout cas tout ça na bon côté, na za demander d'asile, na bon moi si na ba na fait tout que na moto, tout na ne comme grand na bon côté, habi si soit bien non pas de souci beaucoup ta soit pas contrôler ba et vous expliquer ba mon pourquoi mes aides. Donc du coup pour aller là où il devait aller à Mont, ça Mont. Donc il devait prendre le transport. Donc du coup et ils ont rien, ils ont pas d'argent, donc ils n'ont pas d'argent pour acheter les tickets.
Voilà, donc du coup, ils ont expliqué au chauffeur leur situation. Le chauffeur dit, pas de problème, vous pouvez monter, mais s'il y a des contrôleurs, ils montent, vous aurez à expliquer votre situation. Donc là, après, ils sont partis. Après, pour la contrôler, pour la contacter, ils vont monter. Après, tu vois comment on a un mot, on a un gars à mot. Bon, tellement peu ndako naye naye ba ki pe li sous vraiment pendant comme soutien ndako ne donc zagi bon zagi facile soutien que naye ba sous son bébé si boye na comme go na bossa na ki vraiment na bossa na ki ba ndako naye na bengi le numéro naye to solo naye bisi na bi donc en tout cas pe bon et aussi ma te bouge de prier kaka bouge de kaka de prier mais nzamba ko suma bi bouge de prier. Donc du coup il se souvenait plus de l'adresse chez la personne qu'ils avaient hébergé. Après, donc, et là, il a téléphoné la personne, il est en ligne, et la personne a dit mais il ne pourra pas quand même l'héberger, donc d'accord, il devait chercher une autre solution. D'accord. Donc tu es reparti quand même essayer de voir avec la personne si c'est vraiment pas possible que vous héberge encore un peu, parce que vous étiez dehors, dans le froid, avec les quatre enfants en bas âge, et avec madame qui en plus était venue de perdre l'enfant, donc a fait une fausse couche dans la rue. Donc c'était vraiment compliqué. Pas de soins en fait, hein. Vous n'avez même pas pu avoir les soins nécessaires. Voilà, les soins, des médicaments. Les médicaments, quoi, dans le froid en plus, quoi. Voilà. Et ça, c'est très bon. Tout le monde a dit, ah ouais, tout le monde tu as la caca pour mettre tout ça la solution et tout le monde a dit, dans la rue, là, il y a raconté une personne qui les a. Parler d'une association pour voir s'ils peuvent faire quelque chose pour eux. Là, c'est expliqué surtout Ils ont eu à chercher, ils n'ont pas trouvé l'association. Alors, on a fait les magis, madame, toujours, Makila, ils ont continué, Kobimae. En même temps, les enfants étaient fatigués, sa femme, elle n'arrêtait pas de saigner. Le sang, ça coulait. Les enfants qui sont vraiment fatigués, qui pleuraient, qui n'en pouvaient plus. Madame aussi qui pleurait, qui n'en pouvait plus. Alors hier, ben elle coulait là. Et sa femme n'arrêtait pas de pleurer. Elle a perdu son enfant. Parce que ceux qui les lit, ben là-bas on là, Donc ils ont dit, ils ont fait confiance à Dieu, que Dieu va agir, il va faire. Faut pas que sa femme qu'elle pleure parce que sinon les enfants seront affectés aussi. Ok. Après, les petits amis non, tous on est en gare parce que gare ça le mouvement, tout le monde a un mouvement mon coco ça mais ah moi isolé Simba, tous on est en gare. Bon, tous on est en gare. Donc ils ont dit qu'ils retournent en gare parce qu'en gare il y a plus de monde, ils risquent de croiser des personnes qui peuvent venir en aide. Après, tout ce qui est en gare, on a le bino, on a méga souko bien à nous, ça qu'il y a des fois, on a un mingi, on a un bon, on a un bon, ça 15 pour trouver une solution. On a un 15, on a un 4 car on a un 15, on a un bon, on a un bon, mais français, on a un équipement un peu difficile pour comprendre. Mais il y a déjà, mais français est difficile, on a un 15. Donc, ils ont eu à téléphoner 115. Mais elle avait un peu du mal à s'exprimer en français et qu'ils avaient un peu du mal à comprendre la formation. Donc là, il y a une personne, il a eu à faire à traduire. Elle a croisé deux sœurs, je ne connaissais pas. Elle a essayé de donner le téléphone, la personne, la sœur, elle a eu peur. Elle dit non, c'est ça 15. Ça 15. Ah, comprendre ça 15. Ça 15, Après la personne, elle a su qu'en ligne, le téléphone c'était le 115. Donc du coup, elle a pris le téléphone pour essayer d'expliquer la situation de. D'accord.
Alors, ça va nous sonner à 15, à 15 à ABC que non, tout est station à Yé, mais tout en la place cité, en tout cas, vraiment, à Yé, mon quoi, débrouillé place à Yé, on n'a pas pour ça, parce que, ah non, place est exacte. Une fois de plus encore, le 115, il dit qu'il n'a pas de place pour eux. Voilà. On a dans Zaki Namoko, on va dire qu'il est bien. Après, il est bon, il est place il est là, 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 ma femme, il la personne qui était en ligne avec le 115, la sœur, après avoir après on dire, sa femme et ses enfants, ils sont venus le rejoindre. Après, la sœur a dit, ah, vous n'êtes pas tout seul, tu es avec ta femme et les enfants. Oui, tout ça, il est là, il est là. Bon, comment on m'a dit les boyés, il y en a pas na 115 ou son intensité, ce qu'on a mis avant que aux en a moins na bana, même na na le bela 115 mabé. Voilà. La sœur elle a dit si tu m'avais dit bien avant que tu étais avec ta femme et les enfants en bas âge comme ça, elle aurait vraiment repris 115 voilà. Alors mon sœur a dit sinon le bi a raisonné le bi non ok d'accord zana na sœur nanga na ndeko nanga moi si azalaka azana assistance sociale zana benga ina mi kanoko expliquer kanabino na to ba non sur ensemble. Donc la sœur qui est en ligne avec le 115 au téléphone, elle les a dit comme quoi que elle a sa grande sœur, elle est assistante sociale. Okay. Donc elle va le téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, on me souvient parce qu'il y a la rapidité qui na quand on a une boutique, elle soumet les bananes, biscuits, jus, comme ça après c'est pas mon ami. L'ami de la sœur qui était avec le 115 au téléphone, elle partait acheter du jus, de quoi boire les enfants. Vraiment. Après. Ok, c'est bon, après une heure de temps, mais il faut déplacer tes alaras à Awa pour qu'ils soient placés. Mais entre temps, tu as un rendez-vous dans l'hôpital, dans la maternité, parce que c'est ce qui m'a dit qu'ils ont continué à Zonga pour passer à l'accritage. Donc en même temps, la personne pour l'assistance sociale, elle devait arriver. On les a dit de ne pas bouger, mais entre temps, et aussi ils avaient rendez-vous à l'hôpital. Parce que le médecin a dit au cas où le sang ça continuait à couler, il fallait qu'il retourne. Il y a le madame qui a dit moi qui l'ai tout qui est à l'hôpital, il n'y a pas où, mais là, tu vois ça, il n'y a pas. Non. Ma sœur, écoute, va perdre tant de temps pour la situation de la biseau. Bon, si vous avez un peu de temps, pourquoi vous avez perdu le temps pour vous sauter? Bon, vous avez un peu de temps pour vous sauter. Donc, sa femme voulait tout de suite aller à l'hôpital. Et son mari l'a dit qu'il devait attendre la sœur qui devait arriver, celle qui travaille dans l'assistance sociale. Comme ils ont, eux, ils ne les connaissent pas, mais ils ont perdu leur temps pour pouvoir essayer de les aider. Donc, ils ont attendu. On a eu confiance, je t'ai dit, il faut faire confiance à ces personnes-là parce que voilà, ils ont ton idée, donc ils pensent qu'ils vont voilà, pouvoir t'aider par la suite en revenant pour vous prêter assistance. Et donc ensuite. Vendé, une heure de télé, une heure 15 minutes, après serre de divine, à Ikoya, parce que quand on a eu sur la photo, il y a des gens. Donc l'air a eu, à mon idée, il y a eu sur le il y a eu à présenter une tentative de divine, c'est toi, Rabbi Foumou, oui, c'est moi, ok. Donc la sœur en question est arrivée, la sœur du divine, elle travaille dans l'association Les Voix pour le Sans Voix. Donc elle est arrivée, comme on l'avait envoyé la photo, leur photo en téléphone, donc elle les a reconnues. D'accord. Voilà. Bon ça, ça va, ok, ça va, bon préparé, tout qu'il y a, on a pris la place où il y a une image sautée, tout qu'il y a des caca. Donc du coup, elle les a dit, si vous pouvez me suivre, comme ça, ils vont aller, ils vont les ramener. D'accord, et donc là, ils vous emmènent à Courcouronne, c'est ça? Ah, c'est ça. D'accord. Après, tu as vu le train, tu es Paris, tu es à Courcouronne. Donc après, ils sont mis en route avec les enfants,
Ils sont partis à, ils ont pris le train pour aller jusqu'à Koukouran, à Evry. À un moment, on a, en tout cas, na koma ki un peu. Là, na mona ki na koma ki moi un peu satisfait moké. De cette rencontre-là avec la sœur Ludivine, ça les a un peu apaisés. Ils étaient un peu en paix. Ils sentaient déjà au moins, ils étaient rassurés. D'accord. Voilà. Ok. Après, tu commets na association, centre, association. Ils sont arrivés à l'association à Koukouran. Là, tu commets kuna, tu kiti, tu yewana, a présenté biso. Ils sont arrivés, on les a présentés, on les a accueillis. Oui, oui. Na temps on a nyo so ana en tout cas. Moment on a na kuma ki donc il au moins ça inga nzoto ya. Il y a un peu bien, c'est un moment qui est par rapport au moment où tout est là. À ce moment-là, quand on les a accueillis là-bas à l'association, ils se sont sentis à l'aise. Vraiment, ils étaient un peu en paix par rapport à tout le moment qu'ils ont pu traverser. Ça les a un peu rassurés. Oui, pour tant que donc il faut me bailler un bel abisso na à quel onions tu vas un bel abisso donc il s'est mis sur moi et puis donc l'accueil qu'ils ont, qui ont été, la façon qu'on les a accueillis à l'association là-bas à Koukouran, ça les a vraiment fortifiés. Ça les a fortifiés vraiment. Ça, la paix, ils ont senti vraiment. Donc voilà, ça les a vraiment fortifiés. Après, après, nous comprendre que à part toute association, il y a un peu église, il y a une place moins chrétien, donc c'est l'association c'est mon macas parce qu'ils ont mis donc ma camarade. Et après, une fois qu'on les a reçus, ils ont su un peu c'était quoi comme type d'association derrière, c'était des chrétiens qui travaillent et ça l'a encore. Donner encore. Plus encore. Voilà. La force de Dieu. La force, donc, se dire vraiment que Dieu soit béni. Et puis, dans l'association, donc, on a mon qui donc, on a, en tout cas, membre de notre association, Moza, comme si, uni, donc, Moza, non, en tout cas, donc, Bolinginza, Meningi. Donc, Moza, uni, quoi. Donc après, ce qu'ils ont pu découvrir à travers des frères et sœurs dans l'association, qu'on était unis et que vraiment dans un commun, encore avec vraiment un même esprit, voilà, le travail dans le Seigneur. Le même jour, tant au Kumaï Kuna, tant il le Divina, tant il est félicité, oui. Donc il va jouer Kingaï, bah même il a tout quitté dans l'hôpital. Après il y a eu la sœur Ludivine et la sœur Félicie. Ils ont pu ramener sa femme à l'hôpital. D'accord. Oui, tout comme il est dans l'hôpital, bah ils sont tous et ah tout le monde est pas bien hein, bah les gars ils n'ont pas la main. Ah on donne pas pécier et dans l'hôpital la main mais tout le monde ma femme se déjà à s'en est bien. Mais à qui c'est pas douleur pour Seigneur. Donc du coup quand la sœur Ludivine et celle Félicie l'ont amené à l'hôpital, ils ont regardé l'ordonnance. Ils ont vu qu'elle était pris en charge à l'hôpital de Melun. Donc ils ont dit que normalement tout va bien, à part seulement elle devait prendre des médicaments pour par rapport aux enseignements qu'elle a eu. Après, tanté le définir, tanté le féliciter, bah, et puis c'est un peu, mais avant tout, on a tous les canaux en pharmacie, tous les canaux en pharmacie, pour la douleur, on est ça, là, puis maquilla, puis arrêter maquilla. Voilà, donc du coup, il y a la sœur Ludivine, et c'est Félicie. Ils ont dit, bon, avant qu'on retourne à l'association, à Koukouran, on passe d'abord à la pharmacie. Pour qu'on puisse prendre les médicaments pour que ça arrête un peu le saignement, pour que les douleurs puissent se calmer. Donc là, si on reprend, donc vous rencontrez donc cette sœur qui vous emmène à Koukouran. Donc là, vous découvrez l'association La Voix des Sans-Voix, donc une association de chrétiens, de frères et sœurs, qui aiment le Seigneur, qui veulent le servir.
et donc qui veulent aider aussi toutes les personnes qui sont dans le besoin. Mmh. Voilà. Et donc on vous accueille, donc on constate vos besoins, hein. On constate que vous êtes vraiment dans la nécessité, que vous êtes dehors, que vous n'avez pas de foyer avec des enfants en bas âge. Et donc on vous soigne, on vous donne des médicaments pour vous soigner, on vous donne un peu à manger pour vous, voilà, pour vous nourrir et autres. Et puis on prie aussi ensemble, et puis voilà, et on remet vraiment votre situation dans les mains du Seigneur. C'est vraiment ça, hein, qui se passe à ce moment. Hein. Et donc après, il me semble que vous êtes resté du coup pendant quoi? Pendant une semaine, vous avez dormi là-bas? Mmh. Voilà. Deux semaines. Deux semaines. Oui. D'accord. Donc là, du coup, l'association donc, se mobilise pour pouvoir vous héberger. Oui. Voilà, parce que, pas que vous soyez dehors, hein, parce que vous êtes, voilà, hein, tout le monde, on veut que les personnes puissent dormir dans un foyer, hein, sachant qu'en plus, il faisait froid. Hein. Mmh. C'était un temps, on était vraiment au mois de février, où il faisait froid. Et donc, on se mobilise par la grâce de Dieu pour que vous puissiez dormir dans les locaux. Oui. Et donc, vous avez pu dormir voilà, dans les locaux pendant deux semaines. Et comment ça s'est passé là-bas? Et les gars, ils viennent. Je crois que tu comprends qu'ils ont une place moins. Donc, ils ne vont pas rater. Mais ils se posent quand même. Mais si quand on a pour tous, pour nous, on a une bande à l'île, donc. Donc du coup, elle a dit que ça s'est bien passé. Mais ils ont pu comprendre que c'est un lieu où, normalement, on n'accueille pas des gens pour pouvoir dormir, mais ils sont mis à disposition pour qu'ils puissent, parce que dehors il faisait très froid, ouais, pour qu'au moins qu'ils soient dans l'abri. Voilà. En bon, place où on a, Nabandaï, déjà, conspiré, qui a vraiment dit, à sa vie grâce, puis à continuer pour sa grâce, ma grand-mère, soyez bien. Déjà, commencer déjà à sentir. Que Dieu va agir. Amen. Dieu va agir parce que il avait déjà foi là, là-dessus que Dieu continuera toujours à agir au-delà. Amen. Après deux semaines, Bada, c'est ça? Donc l'association, c'est une association qui voilà. S'occupe d'aider les gens à retrouver l'hébergement d'urgence. On les a donné une convocation. Convocation. En fait, les 14, mais. Les 14. Les 14, c'est comment ils pour ceux qui ont l'aider. Pour ceux qui ont l'aider, parce que les 14, c'est comment ils sont loin. Donc Dieu a fait grâce. Au lieu que ce soit les 14, Dieu, la date s'est encore avancée de 2. D'accord. Donc attendez, donc vous deviez aller voir une association pour un logement d'urgence. Oui. Mais vous aviez une convocation qui n'était à la préfecture que le 14. Le 14 mars. Or, il fallait d'abord aller à la préfecture pour aller à l'association. Oui. Donc vous étiez bloqué. Mais donc Dieu a permis que cette convocation du 14 passe au 2. Et de cette manière-là, vous pouviez aller à la préfecture et ensuite aller à l'association. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Waouh. L'aide qui est dans la préfecture le 2. Aussi réception en la madame la personne sur la bille que non ils a procédure normale vous avez qu'un tonton Stéphane Tozongi après le donc une fois qu'ils sont partis à la préfecture on les a donné les réceptions. D'accord. Là ils étaient avec le frère Stéphane. Voilà. Après, donc là vous êtes régularisé à la préfecture, réception donc procédure normale. Voilà. Procédure normale. Okay. Après le 7, tonton Stéphane a dit que c'est un peu de temps. Après le 8, après avoir pris l'air, les 7, après avoir eu l'air réceptionné, le 2, après le 7, le frère Stéphane les a ramenés à l'association pour le logement. Pour le logement. Comme il y a une nationalité, il y a un peu de maîtrise pour le cas. Après,
1h30, la bengi biso de tout moni place. Ils ont place tel. Donc ils ont une bonne classe. Donc une fois qu'ils étaient à l'association, on les a dit d'attendre, ils ont attendu au moins presque une heure. Après, ils ont trouvé une solution, ils ont une place que ça serait intéressant pour eux, pour que les enfants puissent aller aussi à l'école. D'accord. Voilà. Ouais. Donc place on est salaire, on a vraiment plaisir, donc nous avons merci. Donc là vraiment il était touché, il a remercié encore le Seigneur. D'accord. Donc là à ce moment-là ils vous ont donné donc un logement. Ils vous ont dit qu'il y avait un logement pour vous. Le 7, oui, mais un logement des Agipuna juste suivant le 8. D'accord. Le même jour de l'année à place. Le même jour de l'année. Mais non, le 8 mai, le 8 pour peut-être s'habiller nous. Là, le 8 n'est pas beaucoup de place. Attends, entre temps le 7. Oui. Vous étiez dans le bureau là-bas. Après, le logement vous a promis quand? Le 8. Le 8. Ah. Bah, il faut que je me dise que le jour suivant. Donc, il y a le lobby. Parce que le temps, ils ont été. Ah, donc le jour qu'ils étaient à l'association, les 7 là, on les a dit, ils ont trouvé quelque chose pour eux pour demain. Demain matin. Voilà, demain matin. Vous avez le jour, voilà. Le 7, on vous dit, ah ben, il y a le logement pour demain. Non. Oui. Oh, amen, gloire à Dieu. Et là, demain, on a Tongo, tout le monde a mêlé. Garde Lyon, Tite Yokuma Awa, Awa Peba, Baeba, Bibisona Gar, Deba Ope Saviso Place, Awa Bibo Zala. Après le matin, ils ont dû prendre le train, je crois, à Melun jusqu'à Gare de Lyon. De Gare de Lyon, ils ont pris le train jusqu'ici. Après, on les a accueillis ici, on les a présenté la, voilà, l'appartement, la maison, là où ils vont habiter. Amen. Oh. Et donc, vous arrivez ici quel jour? Le 8. Voilà. Le 8. Donc, c'est ici, hein? Nous sommes à Valence, donc le 8 mars. Le 8 mars. Ça? Waouh! Donc, on s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés le 19 février, hein? C'est ça, hein? C'est ce jour-là. Donc, du 19 février au 8 mars. Le 8 mars. Et donc, attends, en moins d'un mois, le Seigneur vous a donné aujourd'hui, donc on est donc chez vous. Oui, voilà. Donc, un grand appartement dans le sud. Sud-est de la France, hein. Voilà, Valence. Nous, à Valence, hein, nous sommes près de Valence là. Près de Valence. Et donc un grand appartement. On va visiter. On va visiter ensuite, hein, on va vous montrer. Et donc en moins d'un mois, le Seigneur a permis deux semaines. En deux semaines. Oui. Waouh. Des papiers. Oui. Des papiers. Ouais. Déjà, la rue. Donc on sort de la rue. On sort de la rue. Dans du froid, de la faim. On mange, une association, un couvert. Ouais. Des papiers. Ouais. L'association fait des problèmes, le Seigneur dispose la date, tac, on recule la date, on force même pas, et ensuite un appartement. Ouais. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Avant que toute la gloire nous revienne, que toute la gloire nous revienne, avant notre Dieu est magnifique, il est fidèle. Vraiment. Et on est vraiment encouragé. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui après tout ce que vous avez pu vécu, vivre, parce que ça lui grâce pour la foi et la main. Je bénis l'Éternel, tout ce qu'il fait pour ma famille, mon foyer. Et puis, nous sommes au pour l'homme, à ça la grâce pour tout comme un. Avec vu la situation par laquelle il est traversé, que Dieu a pu faire grâce à travers l'association pour arriver jusqu'à là aujourd'hui. Donc, je ne peux pas oublier ce Dieu-là. Amen. Vraiment, donc, pour nous, il y a plaisir. Il y a des gens qui continuent à faire des choses. Donc, il y a des gens qui ont fait. Pour moi, vraiment, c'est la joie. Parce que je sais que ce que Dieu fait, il ne finit pas de faire. Il continuera toujours de faire. Donc, ce n'est pas fini avec. Donc, vraiment, merci. Que Dieu soit béni. En tout cas, on est très, très encouragés. On est aussi très heureux de vous voir aujourd'hui dans un foyer avec des enfants. Donc maintenant les enfants vont à l'école, hein, oui, ce qu'on a appris. Donc les enfants sont scolarisés. Donc vous venez d'arriver, donc là on va petit à petit vous aider aussi à meubler cet appartement. Avant que le Seigneur puisse vraiment vous accompagner et vraiment continuer à prier,
car il est bon, il est vraiment merveilleux. On le voit, ne serait-ce que par les quelques œuvres qu'il fait déjà qui sont merveilleuses. Mmh. Et voilà, il est magnifique ce Dieu. Mmh. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, vraiment. Et on espère vraiment que vous allez continuer, n'abandonnez pas, fortifiez-vous, continuez à prier, continuez à lui craindre, et il va vraiment vous conduire tout au long. Et je pense que le Seigneur ne fait pas ça pour rien. S'il vous a mis comme ça, quelque part là, c'est pour faire avancer son royaume. Donc je pense qu'il va vous utiliser. Et je pense qu'ici là, il y aura aussi beaucoup de gens qui vont être touchés. Là. On va avoir des gens qui vont se... Le Seigneur va vous utiliser pour toucher encore des gens. Et... En tout cas, ça nous encourage beaucoup. Mm-hmm. Vraiment que Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré. Donc voilà, en tout cas, simplement que le Seigneur fait son œuvre et que toute la gloire lui revienne. Au revoir, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Ah, maman, Dieu. José, n'est-ce que tu as l'air qui nous pose? N'est-ce que tu as commis un? Est-ce que bien ou est-ce que tu as bien? Est-ce bien? Est-ce bien? Pourquoi est-ce que tu as bien? Pourquoi est-ce que tu as bien? J'ai dit à cette personne. Non, attends. J'ai dit à cette personne. Donc du coup, José vient de dire que par rapport à avant, donc ils ont eu à sillonner de gauche à droite. Là, Dieu l'a fait grâce. Ils ont eu un toit. Il y a à travers tous les parcours qu'ils ont eu, Dieu a mis des associations à leur disponibilité. Là, maintenant, aujourd'hui, ils ont une maison. C'est vraiment la famille. Ils sont en paix. Ils sont bien. Ici, après ces missions d'Ako, de la Knanda Pouté, de Yak Awa, na revient les 5, le matin association, après ces missions, opportunité, il y a un jour. Ma perception de Bioko, ma perception de Nyonso, Sima, j'ai dit ma perception d'Ako. Donc, voilà, elle vient de dire que avant, voilà, par rapport à avant et maintenant, il y a une grave différence qui est là. Toujours dans le même parcours, le Seigneur a mis des associations à leur disposition et que le Seigneur a permis qu'ils puissent avoir aujourd'hui un toit là où ils doivent se reposer en paix, vraiment dans la joie, ensemble, en famille, unis. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont bien. Donc c'est quelque chose de merveilleux, le fait d'avoir un appartement. En gros, c'est un peu ça qu'elle veut dire. Voilà, le petit, je pense que c'est la même chose. Vous êtes content d'être à la maison? Ah, Donc, t'es content? Tu as ton lit? T'as ton lit? Comme la pommée, comme il est fatigué. Oui. Olémbi. Bonjour frères et sœurs. Donc on est avec Rabbi et sa femme Pauline avec les enfants.
on va justement vous montrer ce que Dieu leur a donné et comment la grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Alors Rabbi, est-ce que tu peux nous montrer, nous faire visiter ton appartement, ce merveilleux château que Dieu t'a donné? Allez, on te suit. Donc ici, donc on a la buanderie, très bien, tout le monde est sur les enfants, le manteau, super. Donc l'entrée, super. Donc là aussi, ok, super. Le standing, super. Donc là, il y a un petit débarras, ok, une petite loge. Donc là, en fait, vous pouvez ranger les choses que vous n'utilisez pas trop souvent. Voilà. Donc là, en fait, c'est une pièce en plus. D'accord, super. Ah, ça va, elle est quand même grande. Hein. Non, elle est pas ouais. Avec les étages derrière l'autre. Ok. Donc là, en fait, on traverse le couloir. Chaude. Oui. Ici, voilà, donc vous êtes tranquille. Oui. Voilà, vous faites aussi la vaisselle. Un petit étagère ici, un petit frigo pour refroidir justement et conserver les aliments. Un petit réchaud justement pour pouvoir cuisiner les enfants. Super. Intéressant. Voilà. Grande surface aussi quand même. Oui. Super. Voilà. Oh. Attention. Donc là, c'est la véranda. Ah ouais, waouh. Wow, donc frères et sœurs, vous voyez comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. Donc on a une grande maison, je crois que c'est un F5. On a la terrasse ici, donc parfait pour l'été. Voilà, des petits barbecues avec les enfants, tout ça. Parce que dans le calme. En plus, c'est une résidence en fait assez calme. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas de bruit et tout ça. Donc c'est vraiment reposant. Vraiment au calme, vraiment pour profiter en fait, voilà, avec les enfants, de pouvoir aussi partager la parole tranquillement, sans se prendre de soucis, sans se prendre la tête et autres. On a également une belle vue, je ne sais pas si vous pouvez le voir. La montagne, je pense que ça vous évoque quelque chose. Donc vraiment une belle vue, vraiment waouh, Dieu est vraiment puissant. Quand Dieu fait les choses, il ne fait pas à moitié. Et quand il a commencé quelque chose, il la termine, mais surtout il la termine parfaitement. Et je crois également que c'est pas terminé pour vous. Ah, on va continuer. En fait, je crois passer aux autres pièces. Donc là c'est la chambre, on va partir dans une partie. C'est pour la fille. Voilà, donc là c'est la chambre des filles. Ah c'est bien, vous avez séparé justement les filles du garçon, c'est très bien. Donc vous avez la chambre des filles ici, donc avec trois lits. Là en plus qu'ils sont trois filles. Super. Donc le sac d'école et tout. Parce que justement ça fait quoi 4 jours qu'ils sont rentrés à l'école, hein, c'est ça. 4 jours qu'ils sont rentrés à l'école. C'est vraiment bien, que Dieu soit béni. Donc ils pourront bien s'adapter, s'intégrer par rapport au français, par rapport au cours. Et c'est vraiment voilà, une bénédiction du Seigneur. Donc là, la chambre de Josué. Voilà. La chambre du plus grand, la chambre du garçon. Voilà. Il a son armoire aussi. Je suis habillé, son miroir. Il a une belle vue ici, lui aussi. Oh, super. En plus, c'est bien rangé. Voilà, ses chaussures en dessous, c'est très bien. La chambre.
Donc là, on a la chambre des parents. C'est la chambre des parents, on va pas y rentrer. Super. Grande chambre. On va laisser la chambre des parents, c'est votre intimité. Voilà. Après, donc on a la salle de bain ici. Donc assez, ouais, assez grand quand même. Ils en peuvent prendre quand même leur baignoire. Leur bain plutôt. Avec les toilettes séparées. Qui sont juste derrière cette séparation. La toilette. Franchement, c'est un bel appartement, c'est un bel espace que Fnac vous a donné. Et sincèrement, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. En deux semaines, vous êtes sorti du Congo, arrivé ici sans papier, sans savoir quoi faire, sans vraiment avoir même une ouais, sans savoir quoi faire en fait, sans avoir une directive claire. Et là, voilà, Dieu a toujours sa main sur vous, quoi, en fait. Vous a toujours guidé, en fait, et c'est un miracle du Seigneur. En deux semaines, vous êtes sorti de la rue, vous avez des papiers, vous avez la maison, les enfants sont à l'école. Waouh, terrible. Moi, sincèrement, en toute honnêteté, en toute sincérité, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et voilà, je bénis vraiment le Seigneur et je prie également voilà, qu'il puisse encore aller faire davantage pour vous, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau également de la langue, que ce soit au niveau de l'intégration, que ce soit au niveau même au niveau de l'évangile, pour également toucher également vos voisins et autres. Mais excusez-moi, voilà. Papa, il n'y a pas des documents. On va prier pour que ça soit là, parce qu'en fait, voilà, justement, il a aussi son récépissé. Et voilà, officiellement. On va prier pour. Parce que Dieu a déjà fait, Dieu a déjà commencé à faire, c'est en cours, et voilà, je crois que ça va aller beaucoup plus loin. Amen. Merci de nous avoir suivis, et du coup, priez pour nous, priez également pour ceux également qui sont dans le besoin, parce qu'ils attendent également qu'on vienne à leur rencontre, comme justement Pauline, Rabbi et leurs enfants, qui étaient justement dans la rue. C'est pas donné en fait à une certaine catégorie de personnes de pouvoir œuvrer dans l'œuvre sociale. La Bible ne dissocie pas justement la foi de l'œuvre sociale, mais c'est l'appel en fait de l'Église, comme Jacques pourrait nous dire dans Jacques chapitre 2. Tout simplement en fait, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est tout simplement témoigner de l'amour par nos actes, par nos œuvres, par nos sacrifices, tout simplement par amour pour Dieu, de par la compassion et l'amour qu'il nous a mis en fait pour les hommes. Voilà. Donc, ce n'est pas donné à un certain type de personne, une catégorie de personnes, pour dire en fait, ça c'est ton appel, c'est pas mon appel, non, c'est l'appel de tous, c'est l'appel de l'Église, et je vous invite vraiment à vous lever en fait pour ces personnes qui nous attendent en fait dans la rue. Voilà. Merci.